Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour ici sur la route de Milou. Alors, un point particulier, j'aimerais attirer votre attention ici parce que ici il y a possibilité de décaler la route un petit peu, c'est-à-dire gratter ici, d'accord, au lieu de prendre la route de ce côté-là, de la décaler ici. Je sais pas, c'est une hypothèse, hein. Pour éviter toute cette galère pendant des mois ou rester là pendant des années à attendre quelque chose qui ne va jamais arriver. Hein. Il suffit de gratter, d'accord? Il suffit de gratter ici, il y a largement de la place, vous voyez? Il y a largement de la place ici. Il suffit de gratter, casser là, d'accord? Bien tasser et puis faire une route qui passe par ici puisque là-bas, le glissement... Et de ce côté-là, d'accord, ça a plus d'impact sur ce côté-là que ici. Pourquoi pas gratter ici, d'accord? Pourquoi pas gratter ici et faire la route, déplacer la route ici, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Au lieu de rester là, à stagner pendant des mois et des mois pour une étude de terrain, etc., qui ne va jamais arriver. Ici, c'est vraiment du n'importe quoi, vous voyez. C'est complètement détruite, c'est de la bidouille là, ici, là. Ce que vous voyez, c'est de la bidouille, tout simplement. Donc ici, ça a craqué à partir de là, alors pourquoi pas gratter justement là, ici, tout ça, casser là, d'accord, bien entasser, etc., casser ici, voilà, jusque là-bas, hein. Pourquoi pas? Est-ce que... ceux qui ont des terrains ici, ils ne vont pas un petit peu laisser de la place pour pouvoir dépanner. En attendant, ça peut être quelque chose en attendant. Hein. C'est pas quelque chose qui... Comme ils font hein, temporairement, tout simplement. Tout ça cassé, d'accord? Cassé ici, vous voyez, la cassure, elle est d'ici. Donc, le glissement... Et de là, voilà, vous voyez, ça a glissé à partir de là. Alors, pourquoi pas casser là où ça a glissé, tout simplement, et de tasser, de bien tasser la terre pour mettre la route ici. Enfin, c'est une idée, hein. Moi, je vois comme ça, hein. Je sais pas. Après, les experts vont dire, ouais, bon, ça risque de glisser, etc. Ben, pour l'instant, on galère. On roule là où ça a glissé. En gros... Le danger est encore plus là où on roule que ici. D'accord, c'est tout simplement ça. Alors donc pour l'instant, c'est le néant sur cette route hein, de Milou. D'accord. C'est le néant, la cuvette. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les amis, de cette idée? Est-ce que... Parce qu'on peut gratter là encore, hein. On peut gratter tout ça, supprimer tout ça là, voilà la digue, etc. Jusqu'à là-bas, hein. Gratter là-bas, élargir un tout petit peu pour mettre la route là-bas. Et puis ici, ben tant pis, hein, ça, c'est foutu. Hein. C'est une idée, hein. Enfin, je dis ça comme ça, mais bon, vu la situation, la galère que c'est ici. En ce moment, l'état de la route, etc. Je pense qu'il serait nécessaire de trouver une solution rapidement que d'attendre 3 ans, 4 ans ou 5 ans sur cette portion-là. Je pense que ça vaut pas le coup. Hein. Ça vaut pas le coup de se laisser dans des galères pas possibles comme ça. Au lieu de gratter ici, tout simplement. Hein. Gratter un peu. Voilà. Faire quelque chose de propre ici, casser là, boucher, que ce soit bien joli, hein, et puis faire passer la route de ce côté là je sais pas, c'est une idée, hein. C'est une idée, je dis ça comme ça, mais j'ai rien dit, hein. Donc voilà, qu'est ce que vous en pensez, quelles sont vos opinions par rapport à cette portion là qui nous met dans une galère d'alternance de pas possible, quoi. Eh oui, c'est pas possible. On peut la deux fois deux voies, on peut la créer l'autre côté. Voilà.
on perd cette portion-là, on en récupère une autre, l'autre côté, tout simplement. Je le répète encore, on perd cette portion-là, mais on en récupère une autre, l'autre côté. Du coup, ben voilà, je sais pas, hein. C'est une idée. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Bon ou pas bon? En attendant, la galère route de Milou, elle continue. Elle continue et elle va continuer. Ça va être ainsi, etc., etc. Quelle est la solution? Quelle est la solution? Il y a une solution quelque part, je sais. Il y a une solution quelque part. Le début de tout ça, on nous avait dit, ouais, ça sera fait dans 4 mois, ça sera fini. Ah, vous inquiétez pas. Oui, on va récupérer la route rapidement. Il y aura les travaux, etc. Et puis, d'un coup, silence radio, on bidouille un peu. Ça passe, ça roule, ça glisse pas. Tant que ça glisse pas pour l'instant, ça roule. Alors, pourquoi ne pas gratter, casser la butte là? D'accord? Faire quelque chose de propre jusqu'à là-bas. Pourquoi pas? C'est une solution. Eh oui, faut juste l'envisager et tester. Eh oui. Puisqu'on est dans un bordel pas possible. Voilà, ça commence à se casser la gueule. La route, elle se casse la gueule. C'est pas une route. C'est de la bidouille. Même faire quelque chose de correct, ils n'arrivent pas à faire quelque chose de correct ici pour qu'on puisse pas être dans des trous. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quelque chose de temporaire ça, les amis? Ça? Hein? C'est détruit. C'est pas une route là. C'est pas une route du tout. Alors, il faut voir s'il y a possibilité de gratter. Hein. Comme je le dis, c'est une solution qu'on peut étudier et puis voir si effectivement tasser, d'accord, faire tomber la terre, casser ici, tasser jusqu'au bout là-bas et puis essayer quelque chose. Je ne sais pas moi. Et ouais, puisqu'on est dans la merde, autant s'en sortir dans cette merde qui n'est pas possible. Il y a assez la surface ici pour travailler. Alors, je ne vois pas ce qui empêche tous les travaux ici. Hein. C'est le coût de la finance ou c'est quoi?